Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette d'un poulet aux olives Thermomix. Et donc pour cela, il vous faudra une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, de 2 oignons, de 3 gousses d'ail, d'un bouquet de persil, d'huile d'olive et 2 morceaux de poulet. Donc tout d'abord, je vais mettre les oignons ainsi que l'ail et le persil. Alors pendant 3 secondes, vitesse 7. Une fois le temps écoulé, regardez, ça a bien haché. Je vais mettre les épices. L'huile d'olive. Et je vais mélanger pendant 3 secondes, vitesse 3. Voilà, une fois le mélange fait, je vais venir prendre une cuillère et je vais prendre de la farce que je vais disposer au-dessus du poulet. Voilà. Je vais mélanger. Afin qu'il y ait de la marinade sur tout le poulet. Je mets dans le Thermomix. Avec la moitié d'un verre d'eau. Et je vais faire cuire pendant 30 minutes. Varoma. Je vais faire le sens inverse pour éviter que ma viande devienne de la bouillie. Et la petite cuillère. Et c'est parti pour une cuisson. Une fois qu'il ne me reste plus que 7 minutes de cuisson, je vais venir rajouter des olives. Et voilà, la cuisson est terminée. Ça sent trop bon. Donc je vais prendre un tagine et je vais venir disposer mes morceaux de poulet.
Je vais prendre les olives et je vais les mettre dans un bol. Et je vais verser ma sauce au-dessus du poulet et autour. Maintenant, je vais disposer mes olives tout autour. Et voilà, mon tagine au poulet olive est prêt. Reste plus qu'à le déguster. Donc, si la recette vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.